bienvenue dans la salle sport de l'association HANTS. Cette salle sport existe depuis mars 2019 et elle accueille bon nombre de personnes en situation de handicap neuromoteur. Le handicap neuromoteur concerne trois catégories. Il y a d'abord les personnes trauma-médulaires, para, tétraplégie, en passant par des pathologies dégénératives comme la SEP, Parkinson, et on accueille aussi des personnes qui ont eu des accidents de vie, comme les personnes AVC, trauma crânien. Et d'autres pathologies un peu plus rares, comme la maladie de Friedreich, des amyotrophismes, des spina bifida, ou encore des personnes paralysées cérébrales. On peut retrouver quatre activités au sein de la salle sport. Le vélo à électrostimulation, qui permet de faire travailler ses membres paralysés à l'aide d'électrodes posées à la surface des muscles. La musculation, qu'on peut effectuer sur des machines adaptées pour renforcer le haut et le bas du corps, ou réaliser des exercices avec du petit matériel pour cibler d'autres zones musculaires. Un atelier marche avec lequel on peut travailler la marche et l'équilibre en toute sécurité avec des barres parallèles, un harnais suspendu et des obstacles variés. Ou encore le cross-training pour réaliser des circuits seuls ou à plusieurs avec des exercices de musculation variés dans un rythme assez soutenu. Pratiquer une activité physique de façon régulière est d'autant plus important pour les personnes en situation de handicap pour limiter les effets de la sédentarité. Le sport a des bénéfices sur la santé physique, amélioration de la force, des capacités cardio-respiratoires, mais aussi sur la santé psychologique, amélioration de l'estime de soi, de la qualité de vie, ou encore sur la santé sociale, rencontre de nouvelles personnes, etc. De plus, à la salle sport, vous êtes accompagné par des enseignants en activité physique adaptée qui vous suivent sur des programmes et des séances adaptées à chacun.